Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Dr. Frank pour un nouvel épisode de Sea of Thieves accompagné de la MR Petrock Télévision. Salut Bob, comment tu vas? Ça va, bonjour tout le monde. Alors, c'est parti, les îles sont marquées, on va aller chercher les 4 trônes, puisque le cinquième, le sous-l'eau, je sais pas où il est, j'avoue, j'en sais rien du tout. Alors, ce sera plus nord-ouest, du coup. Ok. Ouest-nord-ouest, quoi. Tu serais par là, tu serais bien aligné. Je me demande si, si quelque part, ça va pas être genre par là, au milieu des océans, vides de sens. Trône échoué. Le problème, c'est que ça fait tellement un temps certain, voire un certain temps que je n'ai pas joué à ce jeu, que je ne me rappelle plus du tout des îles. Mais alors, mais plus du tout, hein. Là, vous l'avez déjà remarqué. Mais ça sort ta chaîne, mais t'as jamais tué. Ça fait longtemps que t'as pas joué. Non mais lol. Non mais lol, t'es sérieux? Genre, je mets que ça sur ma chaîne, je mets que ça sur ma chaîne en ce moment, là. Ça fait quoi? Depuis qu'il y a le gros requin que j'y rejoue. Mais on a fait une pause de combien, là? D'un mois, un mois et demi? Ça suffit pour oublier toutes les îles, ou presque? Ah, parce que je te rappelle que je savais sur quelle île on trouvait quelle bestiole. Je connaissais la plupart des énigmes des îles. Maintenant, je ne connais à plus rien, évidemment. Ce qui est normal. Puisque tu ne joues pas, tu ne te souviens pas. On dira que c'est logique. Tout à fait. Certes, oui. On ne devrait pas boire un... Non, pas du tout. On a un peu de chemin. Non, pas du tout. Là, on va, c'est à Hidden Spring Keep. Bon Clodo, génial. Parce que j'enlève même les gants. Je remets mes bandages genre. Je remets mes bandages chez lourd. Ouais, on va remettre les bandages quand même parce que faut que ce soit lourd un peu et des bottes quand même. Parce que faut que ce soit méga lourd. Oh là là, lourd. Alors là tellement lourd frère. J'arrive tout de suite. Voilà, on va, ça houle hein. Voilà, ça c'est du bonhomme lourd. Ça, c'est du lourd de bonhomme, mon gars. Le mec est à poil. Ah, c'est à peu près comme ça que j'ai commencé, avec ma petite veste en plus et les gants en moins. Ouais, le pantalon, c'était pas tout à fait le même. Et puis, j'avais pas des bottes, j'avais des tongs. Je vais même pas regarder si la trajectoire était bonne. Oui, il est quasi parfait. Hein. Avec la houle, ça va être difficile d'avoir une excellente trajectoire. Wow. Je pense que c'est l'île que tu vois légèrement à bâbord. Avant bâbord, au loin. À droite, donc. Non, bâbord gauche. Tribord droite. Prou l'avant, poup l'arrière. Plafond au-dessus de la tête. Plus à l'ouest, monsieur. Tu dévis. Après, je sais pas si ça t'arrange pour te remettre sous le vent. Ah, par contre, ça charge vénère. Hein. Ah, voilà, c'est le retour du ping. Du ping sacré. Ou du sacré ping. Ça dépend, si vous voyez. Merci. Oh, le ping de sa race.
Oh là. Alors. C'est une aurore boréale, quoi. Non, c'est pas à bâbord, c'est à. C'est plus à droite, en fait. Je m'agourue. Hein ? Oh, c'est ça, c'est plus à droite. Une aurore boréale. Ah oui ! Qui est en fait une très mauvaise chose, hein. On dit, waouh, les aurores boréales, c'est beau. On devrait en avoir tous les jours. Bah, vaut mieux pas, hein. C'est des éruptions solaires, hein, quand même. Donc, vaut mieux pas en avoir tous les jours. C'est mieux. Hein ? C'est une forteresse, le machin ? Ah bah oui, c'est un keep, c'est la forteresse qui est à droite. C'est un keeper. Arrête de keeper. Mais continue à t'équiper. Boys, 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 boys. Hop là. Parfait. J'ai lourdé tout mon stuff. On est perfect. On est bien. Oh, je viens d'avoir une idée lumineuse. De génie. Oh, une idée lumineuse. Putain, il y a encore un crâne. Dire que le galion, ils ont échoué le crâne. Cool. Et c'est quoi ça? C'est. Ah, il y avait des mouettes. Ah oui, c'était les barils qu'on a passés. Alors j'avoue ne pas savoir du tout où va être ce. Oh là là. Tous ces effets qui font ramer la bécane à l'infini. Juste pour votre plus grand plaisir. Je te conseille de prendre un peu plus à gauche là. Sage décision, Captain. Bonjour, est-ce qu'il y a des touristes ici? Non. Est-ce que je peux vous emprunter votre baril de poudre? On dirait que vous m'avez dit oui, hein. Allez, salut. Ah oui, vu que c'est un fort, hein, bien sûr, hein, y a du baril à prendre. Hein. Il y a du baril à certifier. Hein. Je ne pars pas d'ici sans mes 8 barils, hein, minimum. 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 Maximum 12. Maximum 12, sinon après c'est l'abus, vraiment. Après, vraiment, si t'en trouves plus, c'est que t'as payé le jeu. Ce qui nous étonnerait pas de la part de la MRP Truck Télévision, bien sûr. Change encore pour moi. Bouis, bibi bouis, bibi bouis. Oh, plein de bananes. C'est sympa quand même. Hein. Bobo au doigt. C'est embêtant. Bon, excusez-moi, pour l'instant on fait un petit tour d'île tranquillement. Hein. C'est toi qui as ramené le petit baril sur la plage? Ouais. Okay, nice. GG. Ah, c'est déjà notre troisième baril. Ah oui? Oui, bah oui, j'en ai déjà ramené deux. En même temps, les barils, tu t'en trouves quasiment autant que des tonneaux avec des bananes dedans, quoi. Faut dire ce qui est, quoi. C'est un peu l'objectif de ces îles-là, quoi. C'est vu que tu combats moult squelettes, bah ils te mettent moult bananes et moult barils. Plum, 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 plum.
Troisième baril chargé, monsieur. Ah non, faux. Ça c'est de la banane. Il y a un trône sur cette île. Oui. Et la question que je suis en train de me poser, c'est est-ce qu'on ne peut y accéder? Genre, si c'est un trône squelette, est-ce que c'est pas un trône dans une grotte avec... tu sais que tu ouvres par avec la clé squelette que dans un événement forteresse, quoi, si tu préfères. Pas trop. Ça va te dire. Mauvais suage pour lui. On est vraiment navré. Hein. Le mec qui s'est réveillé, c'était pas le jour. C'était pas le moment. Je me sens énervé. Non, t'es en train de taper des tricks. Je glissais vers le vide alors qu'il n'y avait aucune raison. J'en suis à deux fois le tour de l'île. Hein. Dans la forteresse elle-même? Ouais, ouais. Ouais, j'entends me demander si c'est pas des événements obligatoires de type forteresse en fait. Débloque l'accès à la cave avec genre un trône au milieu. Je suis en train de me faire l'image dans ma tête et je me dis ça pourrait totalement être ça. Ah non, j'ai peut-être trouvé. Peut-être trouvé ? Ouais. Alors ? Quand tu dis peut-être ? Ça, faut monter tout en haut du fort en fait. Il est tout en haut? Alors, ouais, mais comment on monte? Ah, bah ça, je sais. Ah, faut s'envoyer en canon? Eh oui. Allez, go, ferme le musée avec le canon et bouffer toutes les peaux de bananes du monde. Toutes les bananes, mais. C'est parti. On va s'éclater. Au parc Astérix. Ouh! Au parc Astérix. On va s'éclater. Notre bateau en plus est très mal placé. Que je pense qu'on va se tirer avec les canons du fort. Ouais, ce que je pensais aussi. On va faire de la petite tour de la forteresse. Il y a un baril en plus. Hein? Pas sérieux. Faut aller où je vais, ouais. Ah oui? D'accord, ok. Ah oui, parce que celle-là, j'allais dire, je l'ai déjà fait, quoi. Normalement, il n'y a plus de baril ici. Mais ça, ça a été réglé. Oh là là, comment je vais me tirer moi? Le problème c'est que j'ai pas visé ces trucs là, là. Je suis nul! Mais je suis nul à ce jeu là! Je suis même plus dans l'axe. En fait, faut faire ça, là. Faut faire ça, voilà. Faut faire ça comme ça. Je vais prendre celui où je... que j'ai pris. Il est déjà réglé. Bonjour! Bah prends l'autre si tu veux, il est déjà réglé. Oui, bah écoute, du coup j'y vais. J'étais pas loin en vrai. Hein. J'étais pas mal. J'aurais dû me tirer contre la planche un peu plus à droite et j'étais pas mal. C'est quoi la touche pour s'asseoir là? Là tu fais W, tu t'assois dessus. Et tu fais s'asseoir.
nager quand t'es parti à 3 km, c'est vraiment passionnant. Allons-y. Alors, lequel que tu m'as pris, mon petit bonhomme? Pas de tes bonhommes. Ah, ah, je suis bloqué. Un pixel. Pixel vengeur du caillou. Ça doit être celui-là que t'as pris, vu que t'as laissé un baril tout en bas. Et il y avait 3 tours ici, au fait. Je crois qu'il y a 3 tours autour de ce merdier. Ok, merci. I believe I can fly. Bonjour. Ah putain, tu l'as vraiment mais trop bien réglé quoi. Bravo. Non mais il était déjà réglé, hein. J'ai rien touché. Oui non mais... Ah il était déjà réglé, d'accord. Ah ça y est, je viens de l'avoir. Promotion obtenue, asseyez-vous sur le trône squelette. Ok. Bon, je cherche la touche. Ah, mais normalement W, à moins que tu l'aies modifié. Bah non. On dit que je me suicide et à plus tard. Bah W, c'est une roue qui s'ouvre, faut que tu restes appuyé. Ouais, je sais, merci, mais... Non, bah écoute, m'engueule pas, voilà, je suis en train d'essayer de... Bah, je t'engueule pas, ça fait deux fois que je te dis non. Tu m'agresses, lol... Si tu comprends pas, moi je peux rien pour toi. Excuse-moi, j'y étais pas, j'étais en train de... Hein, j'écoute pas, je suis désolé... je suis occupé, j'essayais de monter dessus, je l'ai montré, c'était bien. C'était bien, c'était cool même d'ailleurs. Ouais, cool. C'était cool. Et ben je vais chercher cette autre poudre. À quand l'émission de Bluesman, taper un bœuf avec des musiciens paumés sur des îles paumées. Par des paumés pour des paumés. On n'a pas vu notre pote le requin. Je suis un peu choqué déçu. Et le crâne, mec, il est toujours là. Hein. Les mecs du galion, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont laissé tomber. Hein. Ils ont abandonné. Ou alors ils sont encore dessus. Ah, 4, ils sont encore dessus là. Mais ils surgalèrent. Hein. C'est même pas il galère, il surgalère. Peut-être qu'ils passaient juste à côté et ils avaient pas du tout le faire. Ils pédalent dans le sable mouvant. Ah, t'as encore ramené un baril. Ah, on a quelques barils. On a combien là-haut déjà? 5? Non, il y en a que 3. Que 3? Le quatrième. Ah, bon, je suis désolé, alors je vais ramener le cinquième. Je me sens un peu obligé. J'avais dit qu'on ne partait que s'il y avait 6 barils. Où est la dernière tour que j'ai pas faite? Bon, on s'en fout, on peut y aller. Normalement, il y a 6 barils. Là, normalement, il devrait y avoir une troisième tour, genre derrière ce bazar, là, comme ces deux-là. Qui devrait renfermer un tonneau de gunpowder. Direction avant-poste? On peut, ouais. Pour vente action marchande. C'est des barils de poudre. Tac, plein est. L'avant-poste de Daggertooth. L'avant-poste de Daggertooth. Et le crâne est... Le crâne, il est où? Il est nord-est. Donc ça veut dire que c'est la Kraken Watchtower. Et moi, je te propose de se faire la Kraken Watchtower. Qu'est-ce que t'en penses? Puisqu'on sera à vide. Pardon? Que les autres ont l'air de tellement galérer que... qu'ils seront bien contents qu'on vienne leur filer un coup de main, ou alors on les sortira en 10 secondes, quoi. Avec un coup de pied dans le cul. On dira, va voir ta maman, range ta chambre, Kevin. Ah, tu veux aller au crâne? Ouais. Je suis chaud. Je suis chaud à chaque fois que j'en ai fait un, on était dérangé par les gens qui jouaient en masse à ce jeu, n'importe quoi. Maintenant que c'est plus désert... Mais non, on y va pas tout de suite, hein. Va d'abord à Daggertooth, qu'on vende les barils. Parce que j'ai pas envie qu'on se fasse exploser le... T'es plein est, tu me dis. Oui, plein est, bah c'est l'île que t'as à peu près devant toi là. Je crois qu'il est énorme, Daggertooth. Ouais, c'est ça, c'est la grosse île quasiment à côté du. À droite du crâne. Là, légèrement devant notre gauche, léger. Normalement, c'est ça, Daggertooth. Méfiance, on risque de trouver par contre du coup le galion dans le coin. Parce que
qu'il y avait un galion de mec Showtime. Toujours possible qu'il soit là. Tout est possible, tout est réalisable. Et Galion. Galion sur Dagger tous. Ils sont là où on va. Ils sont amarrés quoi, ils bougent même pas. Ils ont le drapeau avec les Pride. Ah d'accord. D'accord. Bon, ma connexion est en PLS, ça y est, on se rapproche de joueurs, la co elle en peut plus. Elle refuse de charger. Trop de joueurs. Est-ce qu'ils sont stationnés du côté du marchand? Parce que nous, c'est notre, c'est vraiment le marchand, quoi. Oh, ils sont sur le quai principal et tout. Je prends la barre. Je les fais esquiver. Mais ils sont stationnés comme tout neuf, quoi. Ah, mec, il faut que je te laisse la barre. Je te laisse la barre parce que je rame trop. Baisse la voile. Je remonte la voile, tu veux dire? Oui, oui. Mais merde! Non, mais attends. C'est la lueur, quoi. Je peux tellement qu'on sait. Ce qu'elle est là-bas. Il y a un mec déjà sur le quai. Ouais. Il doit surveiller. Mais. Ouais, avec son sniper. Il bouge pas, mais il bouge pas, ouais, j'ai l'impression qu'ils sont buggés. Tenter une Knorfang. Je vais prendre un baril, je vais y aller en plongée sous-marine. Le mec il bouge vraiment pas quoi. Ils avaient tous piscine et c'est trop hein. C'est parti manger cette heure. Ah c'est peut-être ça. C'est toi qui es sur leur bateau? Non, il y a un mec qui nous voit. Non. Ok, il y a un mec qui m'a pas encore vu mais qui est en train de gérer les voiles. Qui a dû voir notre bateau par contre. T'es sur le bateau toi ou pas du tout? Mais pourquoi il bouge le bateau là? J'ai jeté l'ancre, c'est quoi le délire? Parce qu'il était sur la plage. Oh en train de se défoncer. C'est quoi? Il est en train d'organiser son demi-tour, tu sais. Bah, la barre est droite, l'ancre est jetée. Il n'y a aucune raison qu'il bouge. En vrai. Deux mecs sur le bateau qui bougent.
3 mecs, ça ils sont tous mis à bouger. Ouais, ils m'ont repéré. Ouais, ils m'ont repéré. Je regarde ce qui se passe. Je vais les voir. Allô ? Bonjour. Attends, pas tout descendre tout sur bonjour. Le pont. Bonjour. You are fresh ? Allô ? Allô ? Fais-leur un oué là, sors. Allô ? C'est quand c'est comme ça, c'est oué. Allô ? Allô ? T'es avec eux ou pas là? Ah oui, tu lui parles. Ah ouais, je suis juste en face de lui. Yes, okay. I'm French. Ah, t'es français, ok. Arrête de parler anglais. French. Oh non! Oh non! Est-ce qui? Putain, je l'entends très peu, je l'entends très peu. Vous faites pas le fort, les gars? Ils partent sans toi, les mecs. Ah, le PDG de la distillerie! Ah, t'as un bon blaze, mon pote! GG. Ok. Oui, c'est ça, hein, c'est des potes, c'est ça. Ok, d'accord. Qu'est-ce que ça raconte de beau? Bah du coup, vu qu'ils sont français, ça leur dirait pas de faire le requin, les différents trônes, puisqu'il faut être deux équipages à chaque fois à poser nos miches sur les trônes. De quoi? Bah, nous toujours, hein. Ok. Bon. Ok. C'était le dernier? Non, je crois qu'il y en a encore un. Faut oui. Voir avec lui, hein, vu que ses potes viendront avec nous pour un trône, mais. Ouais, bah, sauf qu'il fallait lui dire avant. On va lui dire non, mais moi je bosse demain, je suis fatigué, j'ai mal au pied. Voilà, fallait être dedans. Du coup, là il reste ou pas? Parce que. T'avais le dernier? Ouais. Ok, nice! Ah. Je suis bugué sur l'échelle, c'est formidable. Nice. Il est parti rejoindre ses potes, je pense. Bah oui, le bateau il a juste fait le tour de l'île en fait. Cool, en fait ils vont peut-être nous attaquer. Hein. Non, je pense pas. Puis alors là maintenant on a plus rien donc. Faire le tour de l'île? Ouais, tu vas voir, il va arriver. Il va arriver par nord. Allô? Vous me recevez les gars? Allô les mecs imbibés au rhum! Est-ce qu'il y a quelqu'un sur ce bateau? Allô, allô? Un bateau fantôme. Allô, allô? On fonce dessus. Y'a personne qui a le haut-parleur? Attends, je vais aller sur le... Je viens sur votre bateau, hein. Friendship, à ce qui paraît. À ce qui paraît, on dit comme ça. J'arrive. Ils sont morts de rire, les mecs. Ah oui. Ah mais ce... Ah mais, vous barrez pas, arrêtez mais... Oh mais les alcooliques. Moi je suis là. Arrêtez de nous tirer dessus. Oh là là, on se tire dessus entre français, c'est quoi ces conneries? Non mais la politesse. Bande de bolo. Mais je crois qu'il y a que moi qui suis français. Trop bien, ils ont rien. Ah, y'a que toi qui es français. Mais non, y'a pas que toi qui es français. Sniper, il a parlé français.
Friendly. Do you understand what I say? I say friend. I have no arms. qu'est-ce que ça vous dit de... Non mais... Ah mais énervé du zboob là. Oh là, mais t'es énervé. Ça y est, il a bu son café, il est calmé. Ah, ils t'ont tué aussi. Oh, oui, les mecs énervés. C'est des boulots, hein. Salopards d'étrangers, hein, quand même, hein, décidément, hein. Ah bah, surtout que... Y a grand intérêt à me tuer, hein. Best, waouh, t'es trop fort, mec. Tue-moi, vas-y. Ah oui, tue-moi, oui. Merci. Ah, je t'entends même dans... Je t'entends en doublon, même dans le navire des morts, c'est rigolo. Oui, moi aussi. Le fait qu'on soit du même équipage qui fait ça. Vous êtes sûr que vous voulez pas faire les trônes? Plutôt. Puisqu'il y a les trônes qu'on peut faire à deux équipages. Chaud, ouais. Bah oui, bah dis à tes gars de se calmer. C'est toi le PDG de la distillerie. Ils comprennent pas plus que tu le dis. Waouh. D'accord. Hey guys, stop it, please, please, stop it. Do you want to do the event of Thrones? Si je pars moi avec vous, ça marchera pareil. Ah bah oui, t'as raison. Ah bah oui, t'as raison, vas-y, on se tire. On va les laisser galérer, t'es con. Bateau est cool, hein. Ah merde, ça coule. Attends, faut qu'on répare, faut qu'on bricole. Allez, donne-moi ça là. Et il coule comment? D'où il coule? Y a pas de trou? D'où il coule? Y a un vieux trou tout. Non mais là, y a pas de trou, le bateau il coule quoi. Non mais la blague. Oh, vous êtes c'est vraiment des cons. Oh, qu'est-ce qu'ils sont cons là, Jean-Kevin du 044 et l'autre du 090 là.